Les poèmes Stein que l'on peut trouver à l'adresse www.balp.name/poèmes-stein. Bien entendu inspiré par les déconstructions pratiquées par Gertrude Stein sur le langage, sont tous les productions d'un générateur textuel de Jean-Pierre Balp, qui l'a mis, à sa demande, au service de Maurice Roman, alors âgé de 93 ans, et désireux de faire en sorte que son écriture lui survive, d'une façon ou d'une autre. Ils sont, à partir de données à l'origine prosaïques, et en grande partie empruntées à Marcel Proust, avant retraitement informatique, une tentative de donner une qualité poétique à n'importe quelle séquence de langue. Cette approche poétique est basée sur un refus absolu de toute écriture personnalisée, tout en rejetant toute approche surréalisante ou dadaïste. L'être écrivant devant s'effacer totalement devant la machine qui crée en ne s'appuyant que sur les possibilités inscrites dans la langue elle-même comme matière. Il s'agissait, là encore, pour Jean-Pierre Balp, d'explorer en profondeur les capacités expressives de la langue elle-même, en ses infinis combinatoires, en bannissant de la langue tout a priori psychologique. Et, en même temps, de tenter de comprendre comment du sens pouvait surgir d'un traitement purement mécanique du langage.